Im Contact, donc réalisateur du film, et Gan Tsuyong, l'actrice principale du film, qui a eu le prix d'interprétation à Venise. Et je les invite à monter sur scène. Merci de les accueillir chaleureusement. Et par la suite, ce film a apporté un grand succès au cinéma coréen et mon interprète principale, Mademoiselle Gan Tsuyon, a remporté le prix de l'interprétation féminine au Festival de Venise. Donc c'est un film qui marque un grand tournant dans mon parcours. Voilà, donc c'est un film de paradoxe pour moi. Les conditions de tournage ont été tellement compliquées et pourtant ce film m'a tant apporté. Et avec le recul, je vous dis que c'est peut-être grâce à la mère porteuse que j'ai pu poursuivre ma carrière de cinéaste. En fait, ce film a été en boîte en 2 mois à peine, mais en toute sincérité, je pense qu'une œuvre digne de ce nom demande au moins une année de travail, que ce soit l'écriture ou la mise au point de tous les détails.
내이심한일을통해서아주열악한조건에서단지그흥으로만찍어낸이런영화도좋은영화가될수있구나하는것을 배우었습니다 En même temps, ce film m'a donné une grande leçon. J'ai compris, grâce à la mère porteuse, qu'un film pouvait être tourné dans de très mauvaises conditions, uniquement motivé par voilà, la bonne volonté et la joie de vivre, et apporter un très beau résultat. Et j'ai ainsi compris que le cinéma est avant tout une question de plaisir. C'est ce qui devrait gouverner tous nos choix. Merci à tous. Bonjour à tous, je suis ravie de vous rencontrer ce soir. En Corée, il y a plusieurs générations de professionnels de cinéma qui se sont découverts une passion pour ce métier à travers le travail de Monsieur Im Gwon-taek et nous les appelons les Im Gwon-taek Kids. 지금 여러분들이 알고 계시는 한국의 수많은 굉장히 유명한 영화 감독들을 또 유명한 영화 배우들은 임 권택 영화를 보면서 영화 배우 또는 감독의 꿈을 키우면서 성공한 사람들이 많습니다. De nos jours, les cinéphiles du monde entier commencent à connaître de grands noms de la réalisation de l'interprétariat en Corée. Mais sachez que la plupart d'entre eux ont poursuivi leurs rêves en regardant les films de Monsieur Im. 저는 굉장히 어린 나이 아역 시절서부터 여배우를 했습니다. Pour ma part, je démarrais ma carrière très jeune en étant une actrice enfant, comme on dit. 근데 제가 영화 배우이기 전에 영화를 너무나 사랑하는 관객의 입장에서 저는 임권택 감독님의 열렬한 팬이었습니다. Mais avant d'être une actrice, je me considère comme une cinéphile amoureuse du cinéma de Monsieur Im. 그래서 이 영화에 제의가 들어왔을 때 시나리오도 없는 영화지만 감독 임권택이라는 것만 갖고 영화를 수락했습니다. Et quand on m'a proposé de tourner dans La Mère Porteuse, le scénario n'était même pas écrit. Et parce que c'est un film de Monsieur Im, je dis oui sans hésiter. 결국 이 영화는 제 영화 인생에 또 여배우의 인생에 가장 중요한 어떤 계기 그리고 제가 죽을 때까지 배우를 하면서 제 영화 인생에서 가장 중요한 영화가 되어버렸습니다. Ce film marque un tournant dans ma vie, aussi bien en tant qu'actrice qu'en tant qu'être humain, et je suis convaincue qu'il restera peut-être l'œuvre la plus importante jusqu'à ma mort. 저는 굉장히 어린 나이에 이 역할을 연기했는데 대한민국은 이 영화 속의 시대는 유교라는 종교 아래 남아 아들을 선호하는 사상이 종교적으로 뿌리 깊게 있는 사회였고. 또한 굉장히 심한 계급 사회였습니다. J'étais très jeune quand j'ai interprété le rôle principal, mais j'avais un aperçu quand même du contexte. Dans l'histoire, vous avez un aperçu de la Corée qui est dominée par le confucianisme, et c'est quelque chose qui se manifeste par une obsession de la filiation par un fils. Et cette idée fixe était connectée à la religion également. 이 영화 안에는 그 시대와 종교와 그리고 한국의 문화와 그리고 한국의 아름다움이 있을 것입니다. Je pense qu'au final, ce film montre tout ce que la Corée a de plus beau, de spirituel, en même temps sociétal, en tout cas par rapport à l'époque qui est décrite dans l'histoire.
제가 이 영화의 여주인공 역할을 연기했을 당시에는 그 모든 상황을 100% 이해했다기보다는 주어진 자기의 시대, 주어진 자기의 상황을 처절하게 그리고 가장 열심히 본연의 몸으로 살아낸 그런 훌륭한 여자라고 생각하고 연기를 했습니다. Comme je vous le rappelle, j'étais très jeune quand j'ai accepté le rôle. Donc il se peut que je n'ai pas forcément tout compris des enjeux de l'histoire. Mais j'ai interprété mon personnage en essayant d'exprimer une personne, un être humain, qui se bat avec les moyens du bord pour donner le meilleur de soi-même. J'ai joué dans un film, mais quand j'ai joué dans ce film, j'ai vu ce film. 지금의 이 영화 속에 나를 봤을 때 느낌은 굉장히 틀립니다. Et ce qui est très troublant, c'est que je vois un vrai fossé entre la personne que je suis aujourd'hui et le personnage que je découvre et redécouvre à travers l'écran dans ce film. 그렇지만 지금도 틀리지 않은 것은 이 영화 속에 제 캐릭터처럼 주어진 삶을, 주어진 시대를 온몸으로 처절하게 그리고 열심히 살아내야 한다는 Mais il y a une chose qui n'a pas changé par rapport à ce que j'étais à cette époque et ce que je suis aujourd'hui, c'est cette volonté de toujours donner le meilleur de moi-même malgré les difficultés, l'adversité, de me battre de toutes mes forces. Il se fait tard, mais j'espère que vous prendrez plaisir à la projection et puis je vous souhaite une très belle soirée. Merci à tous.